mets tes deux doigts comme ceci. Ok, maintenant on peut le prendre comme ça. Ok. Faut bien que tu cognes tout, moi, là, très bien. Non, ce qui va se passer, c'est que je vais poser mon deuxième entrée et tout ça. La partie qu'on va faire, c'est que toi, on ne sent pas que tu vas juste aider tout le monde. Plus t'essayes de les décoller, plus tu sens cette attraction qui est d'autant plus forte et d'autant plus prenante. Tu peux essayer, là, maintenant, tout de suite, mais tu verras que tes doigts restent complètement collés, lissés, serrés. C'est impossible pour toi de les décoller. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu pourras souffler sur tes doigts et les décoller. 1, 2, 3. Vas-y. Voilà. Et ta hypnose, c'est juste ça. Vas-y, souffle. Voilà. Et ta hypnose, c'est juste ça. On va essayer autre chose. Ok, mets tes mains comme ceci. Montre ta vidéo, Carla. Te détends complètement. Tu vas sentir tous les muscles de ton corps qui vont complètement se relâcher. Tu vas sentir toute tension de ton corps qui va complètement s'évaporer. Et tu vas juste sentir cette attraction qui est de plus en plus forte. C'est un petit peu comme s'il y avait une personne qui, en plus de ses aimants, prenait tes mains et les rapprochait. Et que toi, tu trouvais ça vraiment relaxant. Continue de se rapprocher en étant avec toi. Et ton corps continue à te relaxer complètement. Toutes tes mains vont pouvoir se toucher. Elles se touchent complètement. Ce qui va pouvoir se passer, c'est que tu vas prendre juste une grande inspiration. Et maintenant, un, deux, dors, dors, complètement, deux, dors, complètement, dors, complètement, deux, dors, complètement, détends-toi de plus en plus. Tu veux prendre ta main? Regarde, ta main, je vais la mettre sur ta tête. Et maintenant, je vais mettre une colle, la même colle que pour tes doigts. C'est plus dur pour toi de décoller ta main de ta tête. Et à 3, ça va devenir complètement impossible pour toi de décoller ta main de ta tête. Elle est complètement collée, vissée, serrée. C'est impossible pour toi de la décoller. Puis t'essayes de la soulever, puis tu sens qu'elle est attirée par ta tête. Tu sens que c'est ta terre qui part avec. Regarde, tu peux même essayer avec ton autre main, tu verras que tu n'y arrives pas. Vous pouvez essayer, vous allez voir, sa main, c'est de la colle, hein, de la colle brute. Ouais, venez voir. Elle est complètement collée, vissée, serrée. C'est impossible pour toi de la décoller. Tu peux la décoller maintenant. Maintenant, ce qui va se passer, en fait, c'est que juste là, dans ma main, j'ai un bout de papier. Ce bout de papier, en fait, c'est un ticket de loto. Ce ticket de loto, c'est toi qui l'as joué hier. Et ce ticket de loto, il est gagnant. Tu as gagné 1 million d'euros au loto. Hein, bah, tu vas être très très heureux. Ce ticket de loto est juste là dans la main. Juste là dans la main, tu as gagné 1 million d'euros. 1, 2, 3, ouvre les yeux maintenant. C'est mon ticket? Ouais. J'ai une petite. Ah oui, ouais, je vais pouvoir aller à nos logos, Romain. Moi, ouais. 1 million d'euros, les gars. Quand je vous dis que ça sert à rien les paris en sport. 1 million d'euros. Alors, ce que je pourrais faire, en fait, c'est que je pourrais te faire gagner du temps. Ok ? Oui. Juste, tu peux me prêter ton ticket ? Bon, mais je te le rends. Hein. Tu vois le sac de ton pote là ? Oui. Ok, regarde, je vais juste transférer une partie de l'argent dans le sac. D'accord. Et du coup, dans le sac, il y aura plein de billets. Hein ? Deux. Mais lui, t'as déjà plein d'argent. Regarde dans le sac, tu vas voir, il y a plein de billets. Mais tu l'as dit donc autour du terragon ? Quoi ? Quand que c'est mon argent ? Non, non. Merci, Didi. Moi, c'est pas du tout. C'est parce qu'il fait froid. Tu me le prêtes ? Non. Allez, c'est moi qui t'ai rendu. Je veux juste le regarder une dernière fois. Je te l'ai donné là. Regarde tes 5. Tu reprends ton ticket parce que j'ai pas tout mis dedans. Hein. Ah d'accord. Sur ce, je vais y aller. Juste regarde tes pieds, on va être complètement collés au sol maintenant. Et maintenant tu vas juste me donner le nez. Il est bien ton billet d'un million ? Ouais mais comme t'as dit. Un million quand même. C'est pas drôle d'abuser de... Ah par contre ça c'est pas très gentil. Ah bon? Bah non parce que je l'ai gagné. Ah oui je m'en bats les couilles moi. Tu vois tu gagnes le tout là. Regarde. C'est vrai, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, je déchire tous mes tickets de caisse. Qu'est-ce que c'est pas, Théo, moi je t'énerve pas. Je pense qu'on va pas être copains. Pas de problème. Pas bien.
Voilà, je t'attends. Là, je peux pas venir, mais dès que je vais pouvoir venir. Ok, vas-y, tu veux me casser la gueule ? Regarde, tu peux venir maintenant. Allez, viens. Elle dort complètement, on est en train de plus en plus. Tu vas ressentir tous les effets de l'alcool, mais que les effets positifs de l'alcool. C'est un petit peu comme si là, actuellement, tu étais complètement bourré. Mais attention, tu n'auras que les effets positifs de l'alcool. Tu n'auras pas la nausée ou ce genre de choses. Non, tu n'auras que les effets positifs de l'alcool. Je vais compter jusqu'à 3, tu ouvres les yeux. 1, 2, 3. Ça va ? Ouais, tranquille. Allez. Génial. Tu te laisses coucher là, non ? Un peu tôt quand même, hein. Bonjour. Bon Mathias, on va rentrer. C'est la thé là maintenant. Bah avec tout ce qu'on vient déjà de boire.